Donc, on est toujours sur la règle 5 qui concerne la relation d'héritage. Donc, pour transformer une relation d'héritage qui est, c'est-à-dire conçue dans notre diagramme de classe, on a trois solutions. Donc, la première solution, on a dit que, c'est-à-dire représenter, considérer que la classe mère, donc transformer les trois classes en une seule classe et fusionner. Toutes les, c'est-à-dire les attributs, vont être les champs dans la nouvelle table. Donc on aura une seule table. On va fusionner les différentes classes en une seule classe, qui va être la classe mère, et puis considérer son identifiant comme clé primaire. La deuxième solution, c'est le fait, bon, ici pour la première solution, on a dit que la classe ne doit pas être abstraite. C'est dans le cas où la classe ne doit pas être abstraite. Le deuxième cas, considérer que les classes filles, c'est-à-dire transformer chaque classe fille en une table, et on va ignorer la classe mère. C'est dans le cas où la classe mère est une classe abstraite. Troisième solution, représenter l'héritage par une référence entre la classe mère et la classe fille. Donc, on a dit que pour la première solution, elle est particulièrement adaptée lorsque la classe mère n'est pas abstraite. Pour la deuxième solution, créer, c'est-à-dire une table pour chaque fille et ignorer la classe mère. Elle est particulièrement adaptée lorsque la classe mère est abstraite. Et pour la troisième solution, créer une table pour chaque classe, la classe mère et ses filles, elle est particulièrement adaptée lorsque la classe mère n'est pas abstraite. Donc, la question qui se pose, comment choisir la bonne solution entre ces trois solutions proposées? Donc, pour faire un choix meilleur, c'est-à-dire dans le cas où on a un héritage dans notre diagramme de classe. Donc, pour faire un bon choix, il faut voir l'étude détaillée de l'héritage qu'on a conçu dans notre diagramme de classe. Donc, on doit se poser trois questions essentielles. Premièrement, il faut se dire, est-ce que notre héritage est complet? Est-ce que l'héritage est-il complet? C'est quoi un héritage complet? On a un héritage complet si les classes filles ne définissent pas des attributs autres que ceux hérités. C'est-à-dire les classes filles n'ont pas d'attributs spécifiques. Ils héritent que des attributs de la classe mère. Donc, c'est un héritage complet. Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas contraire, si on a, c'est-à-dire les classes filles, elles ont des attributs, d'accord? Des attributs spécifiques. Donc, si on va par exemple choisir la première solution, on va avoir des valeurs nulles. Donc, si on a un héritage complet, la meilleure solution à adopter, c'est la première solution. Parce que les classes filles n'ont pas d'attributs. Donc, elles n'existent qu'à travers la relation d'héritage. Donc, elles héritent que des attributs et du comportement ou bien des opérations de la classe mère. Donc, on va engendrer une seule table qui est la table qui représente la classe mère. D'accord? Malgré que, ici, il y a une remarque, en pratique, l'héritage complet est rare. C'est-à-dire, c'est rare qu'on soit un héritage complet dans un projet quelconque. La deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que la classe mère est abstraite? On a vu qu'il y a, c'est-à-dire les solutions dépendent de la nature de la classe mère. Donc si elle est abstraite, on va l'ignorer, on va classer les tables que pour les classes filles. Sinon, on a les deux autres solutions. Maintenant, la troisième solution à se poser, quelles sont les associations qui lient la classe mère et les classes filles à d'autres classes? C'est-à-dire, on va voir la relation entre les classes de la famille. Donc, les classes de la famille sont les classes qui ont une relation d'héritage entre elles. On va essayer de voir leurs relations, les associations avec les autres filles étrangères, bien les autres classes étrangères qui n'entrent pas dans la famille. Cela pour pouvoir simplifier, bien sûr, la transformation et avoir une base de données relationnelle facile à gérer. Bien. Donc, on a terminé avec l'héritage. Maintenant, la règle 6, ça concerne la relation de composition. Donc, on dit composition ou bien on dit agrégation forte. C'est la même règle considérant qui va être appliquée à l'agrégation faible. Donc, une composition est transformée comme une association à étoiles. Donc, la règle qu'on utilise pour cette relation, c'est les mêmes règles que l'association, bien la relation de type 1 étoile, mais on va ajouter à la clé de la classe partie, dite clé locale, la clé étrangère vers la classe composite. Bon, la question qui se pose, c'est quoi la classe partie et c'est quoi la classe composite?
Donc, dans une relation d'agrégation forte ou bien de composition, on a une classe A qui fait partie de la classe B. D'accord? Donc, la classe A, c'est la classe partie et la classe B, c'est la classe composite. Donc, c'est-à-dire que la classe A ne peut pas exister sans l'existence de la classe B. Si la classe B n'existe pas, la classe A n'a aucun sens ou bien aucune sémantique. Donc, ça, c'est la partie, c'est la classe partie et ça, c'est la classe composite. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, un livre est formé, la classe livre, elle est formée de feuilles. Donc, on a une agrégation sur, ici, la classe A va être les feuilles et la classe B va être le livre. Non, la classe A va être le livre et la classe B va être les feuilles. Donc, s'il n'y a pas de feuilles, le livre n'aura pas de sens. Sans feuilles, le livre n'a pas de, c'est-à-dire une signification. Donc, le livre, c'est la classe partie et la feuille, c'est la classe composite. C'est-à-dire, les feuilles composent le livre. Très bien. Ça, c'est une explication sur le plan terminologie du terme classe partie et classe composite. Donc, c'est pour ça que pour transformer une composition en MLD, on va considérer premièrement les règles de l'association 1 étoile, c'est les mêmes règles qu'on a déjà vues, mais on ajoute à la clé, c'est-à-dire de la partie, de la classe partie, dite classe clé locale, la clé étrangère vers la classe composite. Donc ici, la clé de la, c'est-à-dire la partie composite, va émigrer vers la classe partie comme étant clé étrangère. Donc, la classe, bien la clé de la classe partie est redéfinie comme la concaténation de la clé de la classe partie avec la clé étrangère. Et pour ici définir la clé de la classe partie, c'est une concaténation entre l'identifiant de la classe A plus l'identifiant de la classe B. D'accord? Donc, si on a une composition entre la classe B et la classe partie A, la classe composite B et la classe partie A, elles sont transformées en deux tables B et A en incluant dans la définition de B comme clé étrangère la clé de la classe A. Ici, il y a une remarque, la classe ou bien la clé de B est redéfinie comme la concaténation de la clé de A vers la clé étrangère. Donc ici, dans l'exemple, on comprendra mieux. Donc on a la classe A qui est la classe partie avec un identifiant A. Et la classe B, c'est une classe composite qui a comme identifiant IDB. On peut toujours avoir ici des attributs et des opérations. Bon, je n'ai pas considéré cela parce que je prends les parties qui concernent, essentielles qui concernent la transformation, bien qu'ils sont, c'est-à-dire, importants pour la transformation. Donc, c'est les identificateurs qui vont être transformés en des clés, primaires ou bien étrangères. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le MLD correspondant, c'est quoi? Chaque classe va être une table. Donc, on a la classe A et elle va être transformée en une table A. La classe B va être transformée en une table B. Pour la classe A, qui est la classe partie, elle va contenir comme clé primaire la concaténation des deux classes, composite et classe partie. Donc, c'est IDA plus IDB, une concaténation, bien une c'est-à-dire une composition. Et aussi, elle va contenir comme clé étrangère l'identifiant de la classe composite, donc IDB. Pour la classe composite, elle va contenir que, c'est-à-dire comme clé primaire, que son identifiant. Plus les autres attributs, si on existe, plus, bien sûr, les autres attributs, si on existe. Très bien. Donc, pour la règle 7, ça concerne la transformation des classes associations. Donc, les classes associations, ce sont des classes qui font, c'est-à-dire, le symbolisme ici dans le diagramme de classe, c'est cela. On a deux classes. Entre deux classes, on a une classe association liée seulement aux deux classes d'association. Donc, pour cette transformation, on a aussi trois solutions. La première solution, c'est selon la cardinalité, c'est-à-dire les cardinalités de l'association, de la classe association. Donc, si on a la classe association de cardinalité 1 étoile, les attributs de la classe d'association sont ajoutés à la relation issue de la classe côté étoile. Donc ici, on va regarder la cardinalité concernant les classes qui lient cette classe association. Donc, si on a une étoile vers le côté de la classe, de la relation issue de la classe côté, donc tous les attributs de la classe, c'est-à-dire la classe association va être transformée en des attributs, en des champs vers la classe côté étoile.
Si on a une association étoile-étoile, les attributs de la classe d'association sont ajoutés à la